Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Borderlands Pre-Sequel, toujours en compagnie de Daisy. Hello, hello. Là, on va tout de suite continuer avec la mission secondaire, toutes les petites créatures. Normalement, c'est par là qu'on doit y aller. Oh. Là, je suis en train de dire la grosse merde. C'est juste en dessous, ouais, wow, trop bien. Enfin, c'est juste là-bas. Juste à côté. On est obligé d'aller à pied. Voilà. Raquette Alex. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que nous, oui. Enfin, voilà. Le jeu est enfin sorti. On va y jouer à fond. Moi, en tout cas, je vais y jouer à fond. Connaissant. Ah, la même chose pour moi. Nous ont averti que certaines créatures indigènes. Tellement le chef plus donc. Ouais, tu lagues un peu. Je sais pas ce que c'est, mais leur nom est charmant. Sont anéantis, de même que leur habitat naturel, par une horrible vase. Nous devons mettre un terme à cette pollution. Elle t'empresse. C'était une raffinerie de dalle avant la grande fissure. Naturellement, comme nous sommes sur Elpis, d'horribles pillards se sont installés. Sois sans pitié. Ok, problème. Je serai sans pitié. Ah, j'ai pas de précision, il faut que j'aille. Ah, porte bien bruitage, j'avais pas vu lui. Tu ne les as pas épargnés. J'adore entendre le fracas des balles contre les os, le déchirement du chair, les râles d'agonie. Au moins, je me dis que je fais une vraie différence. Voilà. Oh, il me reste 7 HP, j'en ai beaucoup. Tiens, prends ça. Là, moi, je vis de l'intérieur. Hein. Parce que de la vie, il me faut. Ah, c'est bon. J'aime bien l'arme laser. Il y a une porte ici, on va accéder. C'est chiant. Je veux même pas tirer. Bah, je suis obligé de changer d'arme tout le temps pour pas te tirer quoi. Pareil. Voilà. Et il s'est envolé. Ouais, il s'est dégonflé, on peut dire. Tiens, il y a un truc bleu. Ah, oui, je sais c'est quoi. C'est le truc d'O2. Je vais aller l'activer. Ouais. C'est une quête de niveau 9, donc ça se peut qu'on galère un peu. Comme ça par exemple. Quelqu'un a vu ça? J'arrive, une minute. T'inquiète. Améliore, comme toujours. Hop, enfin niveau 8. Ah ouais, c'est bon. Un brutal. Oh mais non. Me demandez pas d'où je sors toutes ces munitions. Ah bah le laptop il fâchait jusqu'au bout hein.
Ah ouais, alors là... Avec ma compétence. Sans CVD, il me fait user toutes mes munitions. Oh, what? C'était quoi ce laser? Ah, en fait, ça utilise pas de balles. Ah, t'es sûr? Ouais, je crois pas. Ce serait bien. Merde, je suis en train de dive. Monte derrière, attention. Des brutaux. Ah non, il a un point de vie. Ah, c'est assez joué. Bon, je vais devoir réactiver ma compétence. Ah, vas-y. Ah, je suis invisible. Ah, mais je suis invisible même quand je tire. Voilà. Y'a du monde, hein. Ouais. Ok, je suis pas sûr qui tirer. C'est toi mon inspiration quand je danse. Ah oui, hors la loi, d'accord. Que j'ai fait zéro dégâts. Ça, je pas. Lui? Un gros avec une tenue. De... Voilà. Je vais m'approcher. Par contre, les dégâts ils augmentent tellement avec ça. C'est ouais, c'est tellement puissant. Non. Peut-être pas de précision, mais. Pas de précision, mais tu t'en fous d'avoir la précision. Tu merde. Je suis malade. Au corps à corps avec un fusil à pompe, ça fait vraiment des dégâts. Alors, qu'est-ce que je peux augmenter? Voilà. Allez. Il y a peut-être quelque chose ici. Alors. Deux modes de grenade. Non merci. J'ai tout ce qu'il faut. Non, moi j'en avais même pas. Alors. C'est juste en dessous. Vous pouvez le croire, un vrai miracle. Je trouve un truc, on est quoi? Violette avait illuminé sa clinique il y a une heure. Et puis ma petite puce s'est réveillée. J'ai plaqué mon boulot et... Oh, il y a plusieurs valves. Tu vas devoir les activer dans le bon ordre pour couper le flux. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes à un chasseur de large de ton calibre. Ok, c'est simple. Laisse-moi faire. Ah ouais, c'est juste de ce style-là. C'est simple. Qu'est-ce que tu fais? Coupe les pompes! J'essaie de sauver les croquignous! Pas de les noyer sous plus de saleté! Et voilà! Bon, j'essaie de tous les mettre en vert, mais non, c'est l'inverse. Sans toute cette vase, les croquignous vont enfin pouvoir s'ébrouiller librement! Fais circuler ces immondes déchets et sauve les croquignous! Quel cauchemar! Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, les croquignous! Ils sont vilains! Bah, c'est affreux! Tu les veux, tu les tous! Je crois qu'il y en a un gros dans ce conteneur. Bouclier déployé. Celui-là, il s'enfuit. Attrape-le, celui-là est encore plus laid que les petits. Tue-le, découpe-le en rondelles. Fais-en de la chasse.
je suis en train de die. Bien. Encore une journée productive pour le Front de Libération de Concordia. Une fois de plus, la nature sort triomphante. Et si nous avons bien appris quelque chose, c'est que la nature... Oui, en fait, quand j'active ma compétence, ça me heal toute ma vie, donc... Et ça me donne de la régène bonus, pour ça que des fois je l'active... Enfin, c'est pour ça que je l'active quand je peux. Ouais. Allez, bah go. Je vais pas monter, c'est une blague. Mais, what? Je peux vraiment pas monter? Ah bon? Enfin, je sais passer par là, mais... Non, je peux pas, je suis bloqué. C'est parce qu'il y a un mur invisible. Ouais, je suis bloqué. Faut sauter avant. Ah ouais. Ah voilà, c'est bon. Pour toi. Là c'est bon. Faut passer sur ça en fait, faut utiliser ça. Bon, on sort de la zone hein. Pour le moment ça va, j'aime bien le jeu. Ouais, pour l'instant ouais. Ah, attends, il y a quelque chose là-bas, on peut sûrement l'ouvrir. Là-bas, il y a une zone. Sûrement y arriver, il faut suivre le câble rouge. Alors là, il y a un câble. Là, tu vois, là où je veux. Ah, ouais, ouais, le truc. Il faut suivre le câble pour le détruire. Je m'en occupe. Ah, bah, je suis trop loin. Il est où? Il est là, là. D'accord, je t'ai trouvé. Par contre, pour aller là-haut, c'est autre chose. Ah, un mur invisible. Ah c'est bon, je sais. Voilà. C'est bon. Il est éteint. Là, ils vont vraiment profiter pour nous mettre des trucs d'obstacle. Hein. Enfin des... Enfin, ouais. Pour ce jeu. Oh. Ah, il y a quelque chose au fond. Je sais pas c'est quoi. Quoi ou pas? Au fond de... Un truc qui brille jaune. Ah ouais. Regarde la fenêtre. Non, je regarde ce que c'est. Il y a un bâton. J'essaie de voir. Ah c'est une arme. Je crois que c'est une arme. Je sais comment. Je sais comment on peut y accéder. Elle est orange. Elle est orange en plus. Je sais comment y accéder. Suis-moi. Attends, j'ai un nouveau sniper. Je regarde ce qu'il y a là. Vas-y, je prends ça. Soir. Ah ça c'est du sniper. Suis-moi. J'ai vu comment il passait sur la carte. On va voir c'est quoi comme arme. Si c'est une arme, bien entendu. Ah, ces trucs là-bas. J'essaie d'y aller comme ça. Nice. Voilà. Normalement c'est une légendaire je crois. Je sais pas si c'est une arme ça. Ah ouais ouais c'est une orange. Oui t'as ça, c'est du butin de qualité. Ouais, une lampe de légende. Escalibatar. Plein de butin. Déjà. Bel armement. T'arrives pas à la prendre? Ouais je crois. Ah fils, protège-moi. Ah chelou hein. Seriez-vous une assez grosse brutasse au départ? Hyperion en plus est excellent. Bordel. Si proche.
comme ça si proche. En niveau combien? Ah, y'a pas en plus. Bon, on est obligé de le laisser. On reviendra une autre fois. Je peux pas mettre un point. Point de repère. Voilà, j'ai mis un point ici. Comme ça, je serai, il y a quelque chose. Ah, je suis dégoûté. Je pensais avoir trouvé un truc. Mais non. Excalibur. Le nom de l'arme, quoi. Je me demande qu'on peut l'avoir peut-être en finissant le jeu. Ou alors c'est un objet de quête. Je sais pas. Non, c'est pas grave. Peut-être faut avoir beaucoup de niveaux de Brutas. Ah, peut-être, oui. Peut-être, peut-être. C'est pas tout. Quand j'en aurai 1000, on reviendra peut-être. Ouais. Je sais pas où c'est quand. Ah oui, voilà. Moi je suis en niveau de bruitage, je suis à 150. 140. 141. J'ai tout ce qu'il me faut. Ah oh, merde, je suis dans les menus, c'est pour ça. Ouais. Voilà. Je sais pas c'est quoi le niveau maximum. Peut-être 50, 60, je sais pas. Ouais, comme les autres. Alors où est-ce qu'on valide la quête? Ok, on valide là-bas. Je prends un véhicule. Prends-en un si tu veux. Munzumi, t'as bien fait de demander. Alors. Ah, il y a un prisme, attends. Un prisme de couleur. Pas pour une quête, ça? Peut-être. Parce que tout à l'heure, j'avais ramassé un truc. C'est peut-être, ce sera peut-être pour une quête plus tard. Je vais aller valider la quête. Ensuite, on fait la quête principale. Là. S'il n'y a pas d'autres quêtes annexes, bien entendu. Oula, oula, on se calme. Ah, est-ce que ça va donner un truc intéressant? Beau travail. Oh, je crois qu'on a bien soigné notre karma aujourd'hui. Ça donne un truc intéressant, oui. Ah, il y en a une autre, mais c'est niveau... Excuse-moi de te déranger. Le fond révolutionnaire de Concordia a besoin de toi. Comme on manque de membres, Gabi a fabriqué des affiches. Tu pourrais aller les chercher? Elles sont dans notre base secrète. Et si jamais t'as une arme incendiaire, ça pourra servir. Non, on la fera plus tard cette quête. On va faire la quête principale d'abord. C'est niveau 11 la quête donc. Ah oui. Bon, tu peux te diriger vers la quête principale, je te rejoins. Ouais, je suis un peu entouré de mes d'ennemis. Je suis là. De voir là-bas pour avoir la map découverte. Voilà. Et qu'il a failli exploser. Ça. Allez, viens, allez, va. Ah, dommage. Tout des fourrailleurs dans le... pendant que j'entre de la voiture. Par la porte qui est à gauche. Pareil à tirer. Fusil à pompe si tu veux.
Oh, du coup, j'ai un bug graphique. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je vois marqué le truc de la. Bah, tirer, toujours tirer. Attends, j'ai réactivé. Ah oui. Fais pas sauter au celui-là. Tout à l'heure j'ai pu. Ah d'accord, il est... J'ai compris pourquoi ça marche. Ça marchait pas, mais là ça marche pas. Fallait juste tirer sur le truc à côté pour faire booster la puissance. Ah ok. Moi j'y vais hein. Ok, moi je suis encore là-bas. Le bro trap. C'est ça ton niveau. Parler. Tu as prouvé ta valeur et ton initiation est presque terminée. J'ai envoyé sur ton système écho les coordonnées d'une autre entrée. C'est quoi le problème avec cette porte? Ah ben, c'est que j'ai voulu régler les commandes, mais j'y ai coincé un truc. Ce qui fait que la porte ne marche pas pour le moment. Mais tu peux toujours passer par la porte latérale. Donne juste le mot de passe. Ar, je resterai là. Robot noble, bien que dangereux, solitaire, mystérieux et en mal d'amour. On peut rejoindre l'entrée secrète. Ça va, tu t'en sors? Ça va, je passe par des endroits. Ah mais tiens, une caisse d'armes. Oula, il y a des météorites. Si tu croises des affiches de nos adversaires, n'hésite pas à les brûler. Ça me ferait marquer des points auprès des autres. Oh, c'est cool, un snipe. Quel gourde, j'ai les clés sur moi. Mais on n'a pas le temps. Essaie de casser la lucarne pour entrer. Alors ça c'est juste pour... On la fera plus tard, que j'ai dit. C'est parce qu'elle avait parlé, donc ça a mis la quête.
Ah mince, je peux pas. Ah, c'est pour niveau 9. On y est bientôt niveau 9 de toute façon. Encore un membre de gang en devenir ? T'as intérêt à connaître le mot de passe ? Ar. Bordel, mais quel mot de passe de merde ! Attends une seconde, ce con d'interrupteur est juste là ! Et voilà ! Utilise ça pour accéder à l'entrée secrète. Et bienvenue dans le gang. Est-ce qu'on a là, Rouge ? Je sais pas, bidon, à toi de me dire. C'est pas une recrue, ça, tu peux me croire. C'est bien ce que je me disais. Je crois qu'il y a qu'une chose à faire. Préparer du thé ? Ouais ! Non, éclater des tronches, plutôt. C'est ce que je voulais dire. T'es bizarre. À l'attaque, les gars ! Qu'est-ce qui... C'est quoi ces ennemis ? Deux boss, à mon avis. Alors, c'est par où ? Ah, je suis totalement au mauvais endroit. Ah ouais, c'est tout au fond. Ah, j'avance encore. Attends, c'est là. Ah, ok. Très bien. J'essaie de voler. Tu passeras pas. C'est pas comme ça que tu passes. Dommage. Ah, c'est peut-être par là que je peux passer. Ah ben non, il y a un mur invisible pour gâcher le... pour tout gâcher. Voilà, ça c'est bon, là je suis en train de me faire tous les ennemis. Oh, un lunatique suicidaire. C'est mauvais ça. Voilà. Tout plein d'ennemis tués. La santé. Alors passons par là-bas. Dans la zone d'Halle. On va vendre ce qu'il faut. Amuse-toi bien, surtout. Je gardais toi en vie. Oui. Un grand jour pour le capitalisme. Matériel garanti. Bienvenue dans mon humble échoppe. Non, meurs pas. Salutations. Les morts n'achètent rien. Bien pour toi. Pas mourir. Toi, payez bien. Voilà. Yo. Ah. Attends, j'achète des munitions. Ouais. Voilà, c'est bon. On viendra faire la quête ici plus tard. La quête annexe. Quand on sera niveau 11 à peu près. Ok. Bon, allez, on commence. Encore 10 minutes de vidéo, c'est bon. Un échec de la mission, je sais, patati patata. Alors... est-ce que la map est grande? Ça va, elle est pas trop grande. Ah, je vois pas... je le vois pas, mais... j'imagine qu'elle est pas trop grande. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Go!
Là on n'a pas de véhicule, à mon avis c'est vraiment pas une grande zone. Ouais. Alors que des chemins. Attention au rayon. Ouch. Le rayon ça. Il a tapé. Sarpedo, arrête un peu tes conneries. Je veux bien comprendre que tu en veuilles à Hyperion, mais il y a des innocents sur Elpis. Pauvre folle. Oui, en effet. Ok, cette gonzesse est cinglée, va falloir faire vite. On doit rejoindre Helios et reprendre le contrôle de l'œil. Mais on n'y arrivera pas tant que tu n'auras pas trouvé et neutralisé le brouilleur à Crisis Car. Hey, bon, y a mon meilleur pote de tout l'univers qui a disparu. J'aurais bien besoin d'aide pour le retrouver. Je crois bien que c'était un gars. Ou alors, c'était une fille. Non, c'était bien un gars. Mais je sais plus comment elle s'appelait par contre. Je sais juste qu'on l'appelait le joyeux Swagger. Il était toujours de bonne humeur, le sourire aux lèvres et prêt à entonner une jolie chanson. Mais il avait une voix de chiotte. Oh, j'avais les oreilles en sang. Elle allait souvent se balader un peu partout sur la Lune, et puis quand elle revenait, elle nous bassinait avec tout ce qu'elle avait vu. Je sais pas trop où on l'a vu pour la dernière fois. Si tu pouvais la retrouver, il me doit un coup à boire. Ok. C'est une quête niveau combien ça? Là, on a le niveau. On a vraiment le niveau très facilement, c'est une quête niveau 6. Quelqu'un a besoin de santé? Il y a de la santé par ici. Swag. Bro trap. Niveau 8. Ah non, il est résistant au feu, ça c'est chiant. Trop facile. Voilà. Bouclier alimenté. Laisse-moi regarder mon... La pompe là. Ah, la voilà. Et je crois qu'il dort. Tu crois qu'il dort? Oh non. Il ne respire pas, donc il est bien mort. Oh, ben, regarde s'il a laissé un mot. Fais-lui les poches, ok? Oh, elle a laissé un enregistrement écho. Peut-être qu'on va savoir ce qui lui est arrivé. T'en dis quoi? Oh... T'imagines même pas ce que j'ai vu. J'ai marché jusqu'à l'exil Vorago, et là, j'ai vu un lac géant. Un lac géant et vide, avec une lumière violette hyper brillante qui en sortait. Et j'ai entendu les prières silencieuses assourdissantes d'un peuple ancien qui résonnait dans ses profondeurs. Je suis resté à côté, et j'ai chanté en regardant ma tambouille qui chauffait. Là, j'ai vu un mouton qui sautait. Alors je l'ai attrapé en riant et je l'ai fourré dans ma glacière. Mais quand je suis rentré de ces terres lointaines, je l'ai perdu pas loin d'ici. Je me suis fait attaquer par des dragons. Trouve le pipo. Comme ça tu sauras que je mentais pas. Consulte ton système écho. Bon, bah je suis claqué. Je crois bien que je vais mourir. Je crois qu'il a attrapé un coup de lune, le pauvre. Il divaguait complètement. Il a dû perdre la boule à force de marcher comme ça. J'ai jamais entendu parler d'un lac vide et je sais même pas ce que c'est qu'un mouton. C'est une triste fin. Surtout qu'il me doit toujours un coup à boire. Enfin bon, et ça remettra? Je me demande où est cette glacière, du coup. Jette un œil. Essaie de la trouver. Bon, il est juste à côté, tiens. Là! C'est sa glacière! Tire! Tire! Tue les dragons! What? C'est quoi celui-là? C'est quoi ce dragon? Et Jupiter Dragon. Oula. Oula. Bah oula. Scalper les gens. Un truc là. Voilà. Une
plus chiant bientôt. Hop là, niveau 9. Deux secondes. Voilà. Lancement du séquençage. Merde, j'ai activé mon. Avec mon lien. On peut retourner par là. C'est pourquoi? C'est une apparence de buggy. Ah, de. Ah, très bien. L'entraînement, ça fait toujours. Hop. 9. La capacité. La survie d'une guerrière dépend de son talent. Buggy, voilà. Ouais, aussi. What? Un jour, j'essaierai de me réintéresser à ce. T'es qui? Non, mais je. Lance la séquence d'activation. Oh! Oh! C'est un mouton! Ça existe vraiment? Je crois qu'il me prend pour sa mère. Il est couillon. On se ressemble pas du tout. Je crois que ça veut dire qu'il y a vraiment un lac quelque part. Un lac géant et vide, avec une lumière violette hyper brillante qui en sort, et les prières silencieuses assourdissantes d'un peuple ancien qui résonne dans ses profondeurs. Non. Mais merci du coup de main. Il parle du peuple iridien, là. Ah, on a dit. Un lac d'iridium. Un violet géant autour d'un rayon de lumière. Tu crois que le petit gars veut boire un coup? Regarde s'il y a une autre quête. Non, il n'y a pas d'autre quête. On va continuer avec la quête principale là et on s'arrêtera dans quelques minutes. Je sais plus on a combien de temps de vidéo tellement. Je peux pas me passer du jeu là. Non, pas assez loin. Attends, c'est quoi ça là-bas? Une chaise? Ah, ça doit être une caisse d'armes aussi, ouais. Wouah! Aucun nul. Sens. Ça se voit. Ah, je tombe dans la lave. Voilà, on va faire encore 10 minutes. Ça fera peut-être une vidéo longue, mais je sais pas, on verra. Alors, je regarde, ça fait combien de temps que je joue? Ça fait déjà 3 heures qu'on joue. Oh, ça doit être déjà bon, mais c'est pas grave. Ok. Donc, c'est pas par là. Très bien. Ah non, en fait, on va s'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, on trouvera l'endroit pour monter déjà. Moi, je me suicide. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout s'abonner à la chaîne, c'était ZeusDel pour GTPan HD, toujours en compagnie de Jay ici. Ciao ciao. Allez, passez une bonne journée et une bonne soirée, et vive les jeux vidéo.